Dopo questo auspicio di studi sempre più incrociati che sono un po' il nostro destino, io chiamo la prossima relatrice. E mentre lei si avvicina, la presento. Si, chiama, si tratta di Smaranda Marculesco Badilita. Spero di. Solo Marculesco. C'era una... una cosa in più che le ho attribuito e invece non dovevo dire. Ehm, è. È ingegnere d'études l'école normale supérieure di Lione. Poi ci spiegherà che cos'è un ingegnere d'études perché io non lo so. <ride> Esattamente, e, mh, anche lei ha già una vasta esperienza, si occupa mi sembra di storia delle idee, anche di recensione di storia delle idee e mh, in questa occasione in particolare ci parlerà del therapeut de, de con modèle de Sociabilité Philosophique entre Alexandrie e Rome. Grazie. Prego. Allora, prima di tutto, voglio ringraziare uh, le organizzatrici uh, Chiara Spuntarelli e, e Emanuela Prinzivali e anche queste meravigliose istituzioni che ci accogliano qui uh, a Roma. Un tanto, mille grazie per il, il suo invito e la sua accoglienza. Um, il resto sarà in francese. <ride> si lontano già... Depuis Eusebe, en passant par les âpres polémiques du VIe siècle entre catholiques et protestants, la question a été de savoir à qui pourrait-on comparer les thérapeutes, à l'instar de Philon lui-même, voire les identifier. On a peu à peu compris qu'il était tout aussi important de chercher le sens dont ces éventuelles comparaisons ou identifications étaient porteuses. La clé à cette réponse se trouve peut-être précisément dans la dynamique entre Alexandrie et Rome, où le sort de la communauté juive à laquelle appartient Philon semble se jouer, à l'image d'un funambule qui essaierait de garder son équilibre et donc sa vie sur un fil qui réunirait ces deux cités. Afin d'essayer de comprendre les différents enjeux de ce texte et la communauté qu'il décrit, qui, du fait de l'unicité du témoignage philonien, gardera peut-être à jamais jalousement son caractère énigmatique, il est désormais évident qu'un seul référent ne suffit pas et que le contexte historique, géopolitique, intellectuel et multiculturel, tout autant que les traditions philosophico-littéraires et religieuses, forment un véritable réseau. L'image du kaléidoscope, bien qu'un peu galvaudée, reste. À son tour, assez parlante pour rendre compte de cette multitude de référents qui ne se découvrent qu'à force de tourner et retourner ce texte dans tous les sens. À juste titre, considéré comme un écrit philosophique, les recherches récentes ont de plus en plus mis l'accent sur la dimension politique du Devita Contemplativa, mais qui est indissociablement liée à sa dimension politique. Cette dernière présentant elle-même au moins deux aspects. L'un que l'on pourrait qualifier d'historico-politique, en, en rapport direct avec la dynamique et les tensions existantes entre Alexandrie et Rome et l'équilibre précaire que fit l'entente de rétablir au profit de sa propre communauté. Le contact avec les milieux intellectuels alexandrins. Ou romain, est de nature à nourrir la dimension polémique du De vita contemplativa et le jeu de miroir entre le modèle philonien de société philosophique et d'autres mo modèles concurrentiels, tels que celui des prêtres égyptiens décrits par Kérémon. Philon Parta partage d'ailleurs avec Kérémon la volonté de dépasser le particularisme auquel sont associés d'une part les juifs, D'autre part, les Égyptiens, aux yeux des Grecs et des Romains, bien que de manière et pour des raisons différentes. L'autre aspect, davantage théologico-politique, est celui par lequel ce texte s'inscrit dans un projet plus vaste, à savoir la proposition d'un judaïsme philosophique à vocation universelle, qui reste pourtant ancré dans sa tradition religieuse. Si Philon soutient le pouvoir romain, malgré les préjudices qu'il apporte plus d'une fois à sa communauté, c'est peut-être aussi pour des raisons plus profondes que ne le sont les circonstances historiques. Cette forme de globalisation, qui est celle entraînée par l'Empire romain, crée peut-être à ses yeux les conditions de la mise en œuvre, du moins sur le plan intellectuel, d'un projet politico-théologique de souche judéo-platonicienne. Et l'exemple de la communauté des thérapeutes n'en est qu'un échantillon. Cela correspond aussi aux équivalences macrocosme-microcosme, chères à Philon comme à bien d'autres philosophes anciens. En comprenant le De Vita Contemplativa comme partie intégrante tout au moins d'une vision politico-théologique, à défaut peut-être d'aller jusqu'à parler de projet, on dépasse l'un des clivages persistants dans l'histoire de la recherche de ce texte, en ne le limitant pas à une rêverie philosophique et en rendant d'une certaine manière secondaire la question de savoir qu'en est-il réellement de cette communauté. Si l'on prend le parti pris de cette clé de lecture, l'une des questions qu'il convient de se poser est la suivante. Par quel procédé, Philon, fait-il ressortir la dimension universelle qu'il associe au judaïsme philosophique prôné dans le Devita Contemplativa et aux représentants de celui-ci Cela passe à la fois par la mise en place d'un système de comparaison et surtout d'opposition et par le fait de promouvoir l'idée d'un réseau de sociabilité philosophique à l'échelle de l'Oikumene, mais dont la communauté du lac Maréotis serait l'expression la plus aboutie. De ce point de vue, la question du genre littéraire de cet écrit n'est pas dépourvue d'intérêt. Le Devita Contemplativa possède indiscutablement les caractéristiques d'un bios et le fait de présenter un groupe et non pas un seul personnage, philosophe ou héros, a des parallèles. Les Actes des Apôtres ou plus tard la vie de Pythagore, de Jean Blic, qui commence par une biographie de Pythagore lui-même et enchaîne sur l'école qu'il a fondée et ses disciples. Mais à mon avis, le De vita contemplativa présente aussi de nombreux aspects qui pourraient rapprocher ce traité du genre protreptique tel qu'il est représenté par les discours de Socrate dans le de Platon, le protreptique d'Aristote, l'enthusius de Cicéron ou plus tard par celui de Clément d'Alexandrie ou de Jean Blic. Tout en rappelant les précautions à prendre quand on maniement de la notion de genre littéraire, s'agissant de textes antiques. Sophie van der Meeren pré précise les trois fonctions du genre protreptique. Conversion, propagande, visant à promouvoir la spécificité, voire la supériorité de tel ou tel mode de vie philosophique, et pédagogique, visant l'accès à un corpus de doctrine. Or, il me semble qu'on peut affirmer que ces trois fonctions peuvent être identifiées dans le traité philonien, de ce qui peut être inscrit dans la même tradition littéraire que les écrits que je viens de mentionner. Et Chiara Spuntarelli a montré à son tour l'importance de la parénétique dans d'autres textes de Philon. Parmi ce qu'on pourrait appeler des vecteurs d'universalité qu'utilise Philon dans sa stratégie de promotion d'un judaïsme philosophique auprès des élites intellectuelles avec lesquelles il entre en contact, que ce soit à Rome ou à Alexandrie, le nom que portent les membres de la communauté qu'il décrit et leur qualification de philosophe sont bien évidemment Essentiel. Le choix du nom, ou plutôt la manière dont Philon le présente, thérapeute, thérapeutride, inscrit la communauté dans un réseau à forte connotation cultuelle et religieuse. Des personnes dont le statut et la fonction sont exprimés par le verbe thérapeuine et par les substantifs thérapeia ou thérapeutes sont en effet attestés aussi bien en Égypte, au Serapeion de Memphis, mais ailleurs, dans le polythéisme gréco-romain, avec toujours un sens religieux, une fonction cultuelle associée à ces termes, qu'il s'agisse des thérapeutes des cultes orientaux à Delos, euh, du culte d'Asklépeios à Pergame, ou du culte iranien d'Ayura Mazda, devenu Zeus par effet d'hellénisation. Et je renvoie à la discussion de Bernard euh, Legras dont vous avez la, réflexe, la référence ici. Ainsi, le participe thérapeon qualifierait tout individu ou tout groupe professionnel qui célèbre un culte. Le thérapeute serait membre d'une communauté cultuelle et comme le montre Marie-Françoise Basselès pour Delos, le thérapeute, c'est le fidèle, quel qu'il soit, qui honore la divinité de soins particuliers. Cela correspond à la religiosité du monde hellénistique, qui conçoit justement la pratique religieuse comme une terapeia, une façon de vivre en accord avec les règles du culte choisi. Et je lis le texte de Filon. L'option de ces philosophes se marque aussitôt par le nom qu'ils portent, thérapeute et thérapeutride, et le, leur vrai nom, d'abord parce que la thérapeutique dont ils font profession est supérieure à celle qui a cours dans nos cités. Celle-ci ne soigne que les corps, mais l'autre soigne aussi les âmes en proie à ces maladies pénibles et difficiles à guérir. Que les plaisirs, les désirs, les chagrins, les craintes, les cupidités, les sottises, les injustices et la multitude infinie des autres passions et des autres misères font s'abattre sur elle. S'ils s'appellent thérapeutes, c'est aussi parce qu'ils ont reçu une éducation conforme à la nature et aux saintes lois, au culte de l'être qui est meilleur que le bien, plus pur que l'un et plus primordial que la monade. Donc je cite la euh, traduction de Doma. On peut supposer que Philon était au courant de l'existence au moins d'une partie de ses autres thérapeutes du monde gréco-romain et ailleurs dans son œuvre, il emploie plutôt le verbe « thérapeune » dans le sens cultuel qu'il a à son époque notamment, contrairement à la septante qu'il emploie plutôt dans le sens de « servir » mais pas forcément « servir Dieu ». Il joue lui-même sur le double sens « soigner, servir » du verbe « thérapeune » aussi bien dans une visée polémique dirigée contre la médecine des cités et parce qu'il est important pour lui de rappeler que le préalable absolument nécessaire au culte de l'être est la cure spirituelle qui suppose la séparation des passions cardinales. La référence au bien, à l'un, à la monade renvoie à des débats philosophiques contemporains à Filon dans des cercles platoniciens et néo-pythagoriciens autour de la génération, création de l'univers matériel. Toutes les choses proviennent de l'un initial, la monade, mais Philon fait la distinction entre monade et l'un, et pour lui, Dieu transcende, transcende les deux. L'explication du nom de la communauté devient ainsi un premier moyen d'insérer celle-ci dans le paysage religieux et philosophique plus vaste, tout en soulignant sa spécificité et sa valeur. Un autre vecteur d'universalité, et précisément, la désignation des thérapeutes comme étant des philosophes, dès le paragraphe 2, les seuls deux autres personnages identifiés expressis verbis comme tels dans le traité étant Xenophon et Platon. Philon parle en termes stoïciens de leurs élan, de leur appétit pour la philosophie, du fait qu'abandonnant leur bien au profit des proches. Euh, il insiste en fait sur la « megalonoïa », la générosité des thérapeutes, euh, opposée à la négligence, l'oligoria d'Anaxagore et Démocrite, qui laissent leur champ à l'abandon. Et là, il insiste précisément sur la pertinence de son modèle dans une perspective plus globale, en termes d'hégémonie spirituelle, qui est un refus du repli sur soi. Il garde pour eux l'avantage du fait de philosopher, le verbe philosophain est employé quatre fois dans le traité pour décrire leur activité. Pendant la nuit, ils rêvent des doctrines de la philosophie sacrée, paragraphe 26. Le jour, ils pratiquent la philosophie à partir des écritures sacrées en allégorisant la philosophie ancestrale, le paragraphe 28. Ils se consacre pendant six jours à la philosophie, chacun dans son monastérium ils mûrissent dans la philosophie contemplative la plus belle et la plus divine paragraphe 67 ils exercent la philosophie 69 ils sont guidés par la sagesse 19 35 68 leur refus de boire et de manger avant le coucher du soleil est motivé par le fait qu'ils jugent le fait de philosopher digne de la lumière et les nécessités corporelles dignes des ténèbres que cette philosophie concerne précisément l'étude de la philosophie de Moïse, autrement dit de la loi, comme l'a bien montré Niki Povetsky, en corroborant les différentes occurrences de philosophia, philosophein, philosophos dans l'œuvre de Philon, n'enlève rien à l'impact que l'emploi de cette famille de mots à propos des thérapeutes puisse avoir auprès d'un public d'intellectuels. Avant d'être perçus comme des philosophes juifs, les thérapeutes sont tout simplement des philosophes. D'ailleurs, ce n'est qu'au paragraphe 29 qu'on trouve la première référence à l'exégèse de l'écriture, et il faut attendre les paragraphes 63-64 pour que Philon identifie explicitement les thérapeutes à des juifs. Philon met en place une stratégie d'identification graduelle qui est d'ailleurs largement pratiquée de tout temps et qui consiste à créer des passerelles culturelles avec son auditoire, lectorat supposé, avant d'affirmer clairement l'identité religieuse de ses protagonistes. Il faut peut-être ajouter à cela le fait que le modèle politique platonicien qui fait diriger la cité par une communauté de philosophes n'est jamais loin dans l'esprit de Philon. Mais quels sont les marqueurs du modèle de sociabilité philosophique prôné par Filon Avant tout, pour ce type de sociabilité, il faut en déterminer les figures d'autorité qui servent de référent à la communauté. Dans le cas des thérapeutes, c'est bien évidemment l'autorité divine qui est représentée à la fois par l'autorité des Écritures et par Moïse, qu'on figure tutélaire des thérapeutes, désigné comme ses disciples. Un passage de la vie de Moïse montre que le mode de vie des thérapeutes est proche de celui de Moïse. Son désir était de ne vivre que par l'âme, non par le corps. Il illustrait les principes de la philosophie dans les actes de la vie quotidienne parlant comme il pensait, agissant conformément à ses dires pour mettre en harmonie sa vie et ses paroles, afin que sa parole fût aux yeux du monde telle qu'elle était, conforme à sa vie et sa vie conforme à sa parole, toutes les deux accordées comme les notes d'un instrument de musique. Moïse incarne véritablement l'autorité, une autorité de type charismatique selon les termes de Max Weber, et par tra transmission, les thérapeutes deviennent eux-mêmes des figures collectives d'autorité que Philon présente comme des repères, des modèles à suivre. Cette verticalité de l'autorité a pour corollaire l'horizontalité de l'égalité. L'idée d'égalité est évoquée dans le traité, de même que son contraire, l'inégalité, présentée comme source d'adikia. L'égalité entre les membres de leur communauté est préconisée aussi par Platon dans la République et fait partie des éléments communs aux pythagoriciens, esséniens et thérapeutes. Cette idée se retrouve dans les euh, communautés pythagoriciennes fondées sur l'égalité des membres qui entraîne la mise en commun des biens et les repas pris ensemble. Et on a les témoignages de Diogène Laers Laërce et de Jean Blic qui dit. Euh, vie, euh, vie pythagorique 167-168. En effet, tous les biens étaient communs et identiques pour tous et personne ne possédait rien en propre. Chez les thérapeutes, l'égalité se manifeste sous plusieurs formes. Égalité homme-femme, euh, 32 habituellement, en effet, des femmes qui ont la même ferveur et les mêmes principes écoutent avec eux. Égalité économique entre les membres de la communauté qui ont tous abandonné leurs possessions matérielles. Et égalité sociale, tous étant présentés comme des êtres humains libres, car Philon considère l'esclavage comme contre nature, parafusine, paragraphe 70. Euh, je cite, ils ne sont pas servis par des esclaves, car ils jugent que posséder des serviteurs est absolument contraire à la nature. S'il si est question d'une forme de hiérarchie à un certain moment, euh, ce qui nous renvoie là, à la question de l'autorité, Philon précise qu'elle ne se fonde pas sur la condition sociale ou uniquement sur l'âge, paragraphe 30, 31, mais davantage sur l'ancienneté dans la communauté et sur le degré de progrès de maturité spirituelle. Paragraphe 67, je cite Après les prières, les anciens, d'après leur date d'admission dans la communauté, prennent place. Ils considèrent comme anciens, non, non pas les gens âgés et grisonnants, s'ils sont embarrassés tardivement s'ils ont embrassé pardon tardivement la doctrine mais ceux qui dès leur jeunesse ont grandi et mûri dans la philosophie contemplative la plus belle et la plus divine mais cette égalité n'exclut pas l'élitisme spirituel assumé destiné à créer des passerelles culturelles avec les élites intellectuelles d'Alexandrie ou de Rome et garant d'une forme d'universalisme le modèle philonien de sociabilité philosophique repose aussi sur d'autres éléments complémentaires tels que l'équilibre entre individuel et collectif, entre la pratique philosophique solitaire et communautaire, le partage à travers le banquet, forme de sociabilité philosophique par excellence qui est ici revisitée. Ce modèle comporte également une forte dimension pédagogique qui caractérise les moments collectifs et passe par un paradigme rhétorique anti spécifique et enfin une dimension prophétique et mystique très marquée. Quelques remarques sur ce moment de partage qui est la séquence du banquet et qui occupe à elle seule un tiers du traité. Et une fois de plus, la comparaison polémique est de mise. John Taylor souligne à juste titre à quel point Philon compare ce qui est par définition pas vraiment comparable. Lors de cette séquence, on trouve un triangle référentiel au milieu duquel se trouvent les thérapeutes à équidistance entre Alexandrie, l'Italie et Socrate. Philon n'hésite pas à prendre comme cible de sa critique deux réalités sociologiques auxquelles il rajoute une double référence philosophique, qui est celle de Platon et Xénophon. Au-delà de la visée polémique, Philon livre aussi, à travers la description des deux banquets, Alexandrin et italique, sa propre perception de ces deux espaces et de ces deux climats culturels, et qui n'est pas éloignée d'une certaine réalité de son époque. Alexandrie, placée sur le signe de la violence incontrôlée, et l'Italie sous le signe du luxe à outrance et de la débauche. La description des banquets alexandrins par Filon fait penser au futur banquet des philosophes de Lucien de Samosate, soldé lui aussi par des mutilations physiques des convives. Et je renvoie à l'article de Bumbeck-Kraus pour une analyse littéraire euh, de ce banquet. Quant à la description du luxe des banquets italiens, où elle pouvait, par ricochet, attirer l'attention de certaines élites romaines, adeptes d'un pythagorisme prônant un mode de vie qui correspondait assez bien à la restauration officielle de la vieille austérité romaine vers ces philosophes juifs pratiquant l'art du sobre symposium. Le pythagorisme est d'ailleurs un référent qui peut potentiellement parler à l'auditoire supposé romain de Philon, et au-delà du stoïcisme, surtout valorisé dans le quid probus, mais bon, on a vu que c'est plus compliqué que cela, représente d'un point de vue philosophique un important trait d'union entre Alexandrie et Rome à l'époque de Philon. Les éléments communs entre la communauté des thérapeutes sont. Et le pythagorisme sont présents à plusieurs niveaux, que ce soit pour la vénération du nombre 7, l'importance accordée à la musique, la préférence pour les vêtements blancs dans la manière de se vêtir, le régime alimentaire végétarien, l'importance accordée aux songes, les prières, sans parler du caractère mixte de la communauté. Et puis, Francesca Calabi a fait un parallèle aussi avec les écrits d'Eckfant, du point de vue de ce pythagorisme de Philon. Quelques mots sur le contre-modèle rhétorique euh, dans ce texte. Deux textes, euh, paragraphes 31, 32 et 75, nous renseignent davantage sur le paradigme rhétorique dans lequel Philon inscrit la communauté des euh, thérapeutes. Deux textes qui décrivent la démarche du président de séance chargé de prononcer l'homélie lors des veillées de la communauté des thérapeutes. Euh, le premier, celui qui est plus âgé et plus versé dans la doctrine s'avance et parle, le regard tranquille, la voix tranquille, avec réflexion et sagesse. Il ne fait pas étalage d'habileté oratoire à la manière des rhéteurs ou des sophistes actuels, euh, mais l'exactitude de la pensée, résultat de ses recherches, est ce qu'il fait passer dans ses explications. Cette qualité n'effleure pas seulement les oreilles, mais par le moyen de l'ouïe, atteint l'âme et y demeure fortement. Tous les autres écoutent posément, ne manifestent leur approbation que par des signes des yeux ou de la tête. Euh, ce texte a une charge polémique évidente. De la même manière qu'il le fait, comme on l'a vu pour d'autres aspects, Philon tient à opposer et à singulariser les pratiques propres à la communauté des thérapeutes par rapport aux autres pratiques rhétoriques de son temps, comprend-on. La parole du prédicateur-thérapeute, dans sa simplicité programmatique, n'est pas moins efficace. Au contraire, elle détient les clés de la persuasion, but tellement recherché de la rhétorique. L'approbation du public est acquise, s'exprimant par un silence qui ne la rend que plus appuyée. Un peu plus loin, dans un autre passage, le deuxième, à propos de la grande euh, homélie de la veillée de la Pentecôte, Philon insiste plus encore que dans le texte précédent sur son caractère exégétique et sur sa dimension pédagogique qui se fait au détriment d'une certaine brillance oratoire, mais au profit d'un enrichissement spirituel indéniable. Il commente quelques points des Saintes Écritures ou éclaircit une difficulté qu'un autre lui soumet. Il le fait sans souci de briller, ne se souciant pas de la renommée que donne l'habileté oratoire, mais désirant acquérir une vision plus... Euh, plus juste de certains points et en faire profiter ceux qui ont, selon la même perspicacité, du moins un égal désir d'apprendre. Il enseigne en, a, en prenant tout son temps, il insiste et s'attarde en répétition, il grave les idées dans les âmes car l'esprit des auditeurs ne peut suivre les explications débitées à toute allure et sans reprendre haleine. Il reste en arrière et prend le fil euh, des idées. La sobriété dans l'expression est donc de mise, vous avez la traduction anglaise ici, la sobriété dans l'expression est donc de mise, et on pourrait parler d'une sorte d'atticisme à outrance, dans la mesure où le texte prend une rhétorique dépouillée, se passant de tout ornement et s'harmonisant ainsi parfaitement avec le mode de vie des thérapeutes. La visée polémique est tout aussi présente dans ce deuxième texte que dans le passage précédent, mais de manière plus subtile. Ce qui pourrait être perçu comme une mauvaise pratique rhétorique, comme par exemple le fait de multiplier les répétitions, est détourné et, et chargé de sens positif. Par ailleurs, bien que le lien avec la prophétie soit moins apparent, l'homélie constitue néanmoins une étape préparatoire dans l'élévation mystique vers laquelle le repas secret des thérapeutes, et particulièrement le grand repas de la Pentecôte, a vocation à amener les participants. Ces derniers atteignent l'état d'ivresse spirituelle à la fin du banquet sacré en reproduisant le champ d'action de grâce des Hébreux après le passage de la même mer rouge. La dimension prophétique et mystique relie les thérapeutes au niveau individuel et collectif à Moïse. Ils réalisent ainsi une forme de continuité prophétique et de ce point de vue, il y a un parallèle possible avec les traducteurs de la Septante, modèle de réclusion où, aux yeux de Filon, s'opère une identification entre activité intellectuelle et prophétie. D'une certaine manière, les thérapeutes sont les continuateurs de cette tradition dont Philon lui-même, par son activité exégétique, se considère comme un représentant. Leur mode de vie ne les oriente pas vers une attente d'ordre messianique, mais les inscrit plutôt dans une temporalité cyclique, on pourrait même dire mythique, qui leur permet de réactualiser, dans le sens de revivre tous les 50 jours, le moment fondateur de la sortie d'Égypte. Mais ne pourrait-on pas percevoir dans la répétition de ce moment, justement, la perspective d'un judaïsme libéré et libérateur qui l'emporterait sur un temps historique contraint et contraignant Philon propose, à l'échelle du microcosme d'une communauté, un modèle de sociabilité philosophique. Il emploie pour le promouvoir ce que j'ai appelé des vecteurs d'universalité et se prête à un jeu de réplique et d'opposition avec de multiples référents religieux et philosophiques du monde greco-romain et égyptien. Autre type de thérapeutes, les prêtres décrits par Kérémon, le néo la république de Platon. Sa description des thérapeutes du lac Maréotis se voit ainsi chargée d'une dimension non seulement spirituelle, mais aussi politique importante. Cette communauté qui, dans l'abandon de, des biens de ce monde, n'oublie pas d'exercer une forme d'évergétisme, qui a comme principale occupation la philosophie, à savoir l'étude des Écritures et la contemplation, incarne une forme de leadership spirituel au niveau de l'œicuménée, sous la forme d'un judaïsme philosophique, porteur d'une paideia et d'une polythéia à vocation universelle. Je vous remercie.